bah avec le bois. Oh. Salut. Salut Alex. Avec qui? Désolé, je parle avec ma fille. Si t'es vu sur mon fil, mais je sais pas si tu m'entends. Oh, je suis vite, je suis passé trop vite. Ah non, je passais vite fait sur ton. Quand est-ce que tu bugs pas ton hôtel? Non, c'est toujours le Volvo. Oui, mais changé encore. De couleur, c'est tout. Quand tu veux, tu t'arrêtes. Ah, okay.
faut que je fasse de nouveau. Ouais. T'as trouvé? Non, y'a rien. Oh, faut regarder. T'as regardé la vidéo là sur Twitch, elle va venir seule d'après. Ouais.
peux le savoir? D'abord? Oui, salut va, Kevin, oui. Salut, allez. C'est Laurent. Bonjour Laurent. Ma femme qui dit salut. Bisous, bisous, Tristana. Bisous. Bisous de Laurent. Bisous, madame et de Laurent. Vicky. Voilà, ben, je vous le retourne. Elle est pas trop fort, hein. J'ai pas trop de force aujourd'hui pour le rattraper. Lol. Bon, est-ce que j'ai entendu le convoi d'hier? C'était pas top top. Oh putain, la misère. Oh, j'étais déjà vénère parce que Coyote et Ban, on s'est pétrole dès le départ. On s'est pétrole par 3-4 guignols là qui se sont incrustés dans le convoi. Ils nous ont fait chier tout le long du trajet. Ouais, franchement, une catastrophe. Ouais. J'ai pas pris de plaisir à rouler hier soir. Voilà, tu l'écoutes déjà à TS Multi, ce qui s'est passé, c'est terminé. Faut arrêter les conneries, là. Il y en a ras-le-bol. Il y a deux états pour 3000 joueurs, c'est infaisable. Les mecs, ils sont aussi cons que la lune. Dès qu'ils veulent entrer quelque part, même s'il y a quelqu'un qui est devant, ils forcent, ils poussent, ils cherchent pas, ils s'abeutent. Ça, c'est bon, faut arrêter. Donc, multijoueur d'ATS, déjà en convoi, c'était la première et la dernière fois, c'est sûr. Nos convois seront uniquement sur ETS maintenant. Oh bah j'ai loupé le seul proposé. Ouais, bah ouais, non mais t'as rien loupé Alex, hein, franchement. Ouais, ouais, ouais. Franchement, rien pour loupé, le coup, hein. Ouais, franchement. Ouais. Ouais, sur ETS, on a un panel beaucoup plus large de possibilités. Donc on va faire les prochains convois sur ETS, c'est sûr. Et moi, ATS Multi, c'est terminé. Maintenant, c'est du solo. Là, je suis en train de faire un grand trajet en solo. J'ai réussi, pas être trop con non plus pour y arriver, mais j'ai jumelé les trois maps que Alain avait présentées là. Donc là, je suis parti de Los Angeles et je vais jusqu'à Miami. Je fais du maintenant sur American Truck, je fais du solo. Voilà. Ouais. Moi, j'ai fini mon trajet à Laurent. En 2 heures de temps, j'étais 4700. Ben, pas moi encore, là j'arrête pas d'arrêter. Je viens d'aider la grande un peu à faire ses devoirs. J'attends mon petit frère, il est toujours pas là. Donc, il me reste 1900 km. Mais c'est pareil, hein, je roule à 120. Hein. Je suis à 120. Là, je suis parti à. D'accord. Bon, c'est une fois que les kilomètres sur la TS, ça définit. Oui, parce que l'échelle de la map n'est pas la même. Sur ETS, ah, on est sur 1,24 sur ETS, mais ATS c'est sur 1,36. Donc les kilomètres défilent beaucoup plus vite sur American Truck. Et pour ça, c'est un peu ridicule quoi. Bon. Mais tu traverses la côte to coast, t'as pas de paysage, t'as rien, c'est le désert. Ouais, y a rien. Ouais. C'est le désert. Il commence à voir maintenant. Oui, alors ils remettent à jour régulièrement hein, les maps là. Ils améliorent quasiment toutes les semaines, il y a une nouvelle version qui sort. Mais bon, c'est sympa. Sur ma VTC, c'est peut-être bien de la mettre ensemble, mais ça va pas parce que ça n'a rien à voir le kilomètre. Ouais, ouais. Donc ça va trop vite, bah, tu fais plus vite de kilomètres. C'est sûr. Non, le My VTC American Truck, on le déserte, il va finir par. Apparemment, il va disparaître tout seul. Au bout d'un certain temps, si t'as pas rentré de feuille, il s'efface. Mais voilà, le mien, je le laisse tomber. On fait My VTC uniquement sur Eurotruck. Mon entreprise de base est basée sur Eurotruck, on va se développer sur Eurotruck. American Truck, ça va être juste pour le plaisir. Et encore, tu peux pas prendre de plaisir en solo sur en multi sur American Truck. Il n'y a plus moyen.
suis franchement dégoûté de ce qui s'est passé hier. Ben, je sais qu'il est toujours pas là, tonton Mathieu, j'y peux rien. Prends le téléphone, appelle-le. Oh bah ben alors. Bah ben, moi je te le donne son numéro. Non. Bah ben, non. Pétasse. Non. Bah ouais. Si. Je te prends, je te casse en deux. Si. Hey, si je te chope, je te mets dans le sac de croquettes du chien. Ouais, quel qu'est-ce que tu veux quoi? Oh putain, ouais, on a pour le ramassage des ordures, on a des poubelles, on a une poubelle attribuée, oui, avec un code barre. Ils font des relevés. Ah, bah ça va. Voilà, combien de fois tu sors ta poubelle par an, tu vois. Quoi? Quand j'ai été chercher ma poubelle, la petite. Ah, je vais faire un. Non, mais tu veux tout, toi? Putain, la petite, sans argent. La poubelle, je l'ai traînée, quoi. Elle était contente. Donc quoi, les petits font pas grand chose pour les amis. C'est vrai, t'as pas bah la mienne, tu je la prends, chaque fois à moi. Et puis elle m'en demande encore. Et ouais, c'est taré. Mais oui, quoi, la gamine. Elle tient bien de son père. Ouais. Ça, là-dessus, ouais, elle est. Et elle a pas peur. Elle a peur de rien, là, petite. Même quand je suis en colère, elle me tient à tête, elle rigole, elle veut jouer, elle rigole. Mais bon, là, quand elle s'en prend deux grosses dans la tête, là, elle dit, ah ouais, mais en fait, il rigole pas. Mais ouais, non, ma gamine, elle est excellente. Je te jure, si vous venez, si vous venez au mois d'août, vous allez voir la tuerie. Parce que il me reste 45 minutes. Oh putain, ouais, c'est limité à 105. Je viens de me prendre une amende. Je vais me faire une coupure, j'ai plus que 40 minutes de route. Vous êtes fatigué, vous devriez s'en. Ouais, bah oui, j'y vais, pas de panique. Je vais aller refaire le plein en même temps. Et à 120, putain, le Peter Beat, le 389, il compte. Hein. Ouais. Enfin, j'ai... Bon, j'ai 22 tonnes au cul, mais j'en mets. Tu tires sur le moteur, mon garçon. Ouais. Je sais même pas quelle patate que j'ai. Même pas quelle puissance il fait le truc. Oh, 720 chevaux. J'ai W900, pris le bon camion. Comment? C'est le W900 ou la même? Non, non, c'est le Peterbilt 389. Ah, ah, j'adore la gueule qu'il a, avec les chaînes sur le pare-buffle et tout, il est excellent ce camion. Il fait un bruit d'enfer. C'est celui d'origine, en tout cas. Comment? C'est celui d'origine, hein. De quoi? 389, c'est... Ah non, c'est le... Je sais plus quelle version. Oh, ma femme qui me ramène un café, oh, ça c'est de la pluie. Ça vaut tout l'or du monde. Une petite pipe et ça sera l'apothéose. Tu m'as mis le chocolat. Oh la vache, c'est pas ou quoi? Merci ma chérie. Je t'aime. Ah, c'est bien, putain, on aurait le même prix du gasoil sur Eurotruck, ça serait de la balle, quoi. 54 centimes. Putain. Tu braquais le pompiste le prochain coup sur Eurotruck. Tu vois, sur What the fuck, j'ai des potes en Amérique, c'est mon frère. Voilà.
y a des grelons pour lui aussi. Ouais. C'est pas des grelons. J'aime pas ça. Trop long, j'aime pas ça. Surtout quand ma bagnole elle est dehors. Bah moi j'ai pas le choix, j'ai pas de garage. Ouais. Avec moi le garage il est rempli de meubles. J'ai pas le choix non plus. Ouais. Ouais, puis elle va dormir une paire de semaines dehors là, le temps que ben qu'on tapisse, qu'on repeigne les meubles qu'il faut. Ça va prendre un petit peu de temps donc tant pis. Il est fatigué, il doit faire un arrêt. Ouais, ben, je viens de faire ma coupure. Ah, il y a même du tonnerre ici, ça tonne. Oh vache, oh putain, faites, le convoi. Faites gaffe à, faites gaffe au... Regarde mon gars. À l'ordinateur. Hein. Ouais. 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 Arrêter l'ordinateur. Putain, je suis à. J'arrive à la Nouvelle-Orléans, Mike. Ouais. Ah mais ouais, c'est du coup. Donc j'en garde vite fait la marche. Vachement il me reste 1400 et des points. Et je regarde Nouvelle-Orléans, Mobile, Tallahassee, Jacksonville, puis je redescends sur Miami. Pierre, tu me ramènes un chocolat s'il te plaît qui est dans le frigo. Quoi? Non, attendez, j'ai l'impression qu'il y a de l'activité dehors. Je reviens. Lui aussi. Eh hey. Oh. C'est pourquoi il tonne comme ça. C'est pourquoi il tonne comme ça. Il est en colère. C'est quoi que fait ce loser qu'elle sur son lit? Il est en colère. Hein. Ah, répondez pas tous à la fois. Une chose est sûre, vous n'avez pas manqué de copains. Ah non. De PQ, je veux dire. Ouais, c'est clair. Nous, le jour, on est tombé sur une promo, il y avait au moins 5 paquets ou un truc comme ça. On en a pas prendre. Ah bah, c'est ce qu'on a fait. On avait l'air fin. T'as toujours besoin de PQ. Ouais. Toujours. Et puis, il revenait pas cher, je crois. C'était 5 euros les. Ben, ouais, ça revenait à peu près à 1 euro le paquet, quoi. Ouais, bah ouais. Ah bah là, oui. Derrière, hein. Et on a pris un long moment, vu qu'on n'a pas beaucoup de place, on en a pris un. L'espèce de rouleau de stock de PQ dans les toilettes. Mais on n'en a pas racheté depuis. Ouais, bah ouais. C'est ça qu'il y a. Là, ouais, je me prendais la poire, quoi. Avec le truc de PQ, là, on se baladait. Il manquait plus qu'on le porte sur l'épaule, tu sais. Le gros
bac de PQ sur l'épaule. C'est ça. Tu sais, t'achètes ça, les gens ils se disent putain, il doit avoir une chiasse le mec. Non, bah attends, hey, de toute façon, les gens qui piquent, c'est les premiers à le faire. Tu sais, hein, voilà, hein, tu tombes sur une promo de PQ, hey, t'as deux ou trois paquets pour le prix là. Bon, je suis désolé, je me gêne pas. Hein. Mais voilà, après, les gens. Je suis comme sûr ça, que fait des économies. Les gens qui vont te regarder de travers, ils vont attendre que tu t'en ailles pour faire pareil. T'es. C'est ça. Voilà. Je suis à 43 litres au 100 en moyenne. Ouais, d'accord. Ah, c'est une camion américain en même temps. Ouais, voilà. J'arrive à. Ah, bah, Nouvelle-Orléans. J'arrive à la maintenant. J'arrive à la Nouvelle-Orléans. Du coup, t'as trouvé quand même. Vous étiez combien en coup en vol? Ah, on était 15, je crois. Il y avait Calibidi et sa tribu là, ils étaient deux. Il y avait Ludo là, de la Press Truck, les deux SKV, et puis on était 9 ou 10 de la TFM. Donc voilà. Petit convoi. Non, c'est là. J'ai fait le convoi de Los Angeles. On est monté jusqu'à Jackpot. J'ai fait le convoi à 40 km/h. Ah ouais. Attendre les autres. Hier soir, j'ai passé mon temps à attendre les autres. Ouvrir, c'est ça commence un petit peu à me gonfler une fois que je le vois. Hier, on est reparti après la balade. Là, on a refait un petit truc sur Eurotruck. Je leur ai dit, les gars, je roule. Si bon, faire le convoi à 40, ça me saoule. Je roule. Je roulais à 70. Bah même à 70, il y a des moments, bah, on perdait du monde. Pourtant, de 70 jusqu'à 110, voilà, tu peux largement rattraper les retards internes. Voilà, non, Calibibi, il était là, il m'a dit, t'inquiète pas, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et voilà. Calibibi, c'est le mec qui comprend très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, voilà quoi. Là, attendez-nous, on est à la traîne. Bah, appuie sur la pédale, bon, on marche arrière, tu vas nous rattraper. Là, bon, moi, je suis attrapé. Là, t'étais là, Kevin, t'as vu hier ce qui s'est passé, quoi. Bah, bon, on s'est fait troller, putain. On n'aurait pas eu les trolls, ça aurait été un petit peu mieux quand même. Ouais. Ah, les mecs, ils faisaient exprès de doubler, ils se rabattaient devant ta gueule, ils traînaient. À un moment, franchement, il y avait Jérém et puis. Ils ont détaché pour faire la sécurité quoi. Et ils les ont brayés parce qu'on n'arrêtait pas de se faire emmerder quoi. Ouais. Ah voilà, faut arrêter. On est dans ces conditions là, c'est pas vrai. Attends, deux secondes. Ouais, téléphone. C'est les amis, contacte toi. Allô ? Je lis à ça. J'ai la maçonnerie, moi j'ai le klaxon de la voiture de shérif et moi. Salut Tom. Oui Tom. T'as plutôt rhum, mais bon. Ouais, ouais. Non, j'ai pas vu tantôt moi. Bon, t'entends ouais, pas fort, Tom. Très bien. Fort. Ouais, j'ai claqué ma sieste. Ah, voilà, ça, c'est mieux. Depuis hier, j'ai fait 10 000 km, ça roule là. Ouais, c'est ça qui est bon. T'as une remorque 1000 km. Elle est jolie celle-là. Non, mais comme je le dis, si elle fait que de ATS, ça va plus vite à les kilomètres. Ouais. Là, ça va filer alors ça. Okay. Surtout que ça va plus vite, tiens, Mike, j'arrive à Modine. Je pense. Oh putain, je l'ai shooté. Désolé, gros. Mike, il a fini. Ouais, non, mais je sais. Ouais, mais moi, j'arrête pas d'arrêter tout à l'heure.
pas que j'ai pas brûlé Marco. Non. Ouais, je passe au niveau de mobile. Bon bah arrête. Ouais. Non, ouais. Là j'arrive à El Paso, je vais passer à la Duquesne. D'accord. Ah oh, je voudrais bien me faire avoir un petit truc sur Hawaï. La prochaine mission aller sur Hawaï, ça serait pas mal. Vraiment, tu sais ce que j'aimerais bien. Ouais, ce soir on va se faire sûrement un petit convoi sur sur Eurotrack. On va voir ça. Ouais, pour mes 300 follow, là je suis à 230 follow là à peu près. Pour mes 300 follow, il y a Willow qui m'a expliqué comment il a fait lui pour son 24 heures. On ira au soir hein. Donc il m'a filé le site pour les jeux. Il m'a filé le lien pour acheter un pack de giveaway là, de clé random. Il m'a tuoté un petit peu sur le truc. Et Coyote, il me donne son ancien volant pour le faire gagner en fait. Ouais. Donc Momo Racing Experience là ou je sais pas quoi. Je vais le faire gagner, mais je ne le dirai à personne qu'il y a un volant à gagner. Ouais. Puisque ça va. Voilà, les mecs ils vont venir sur le stream juste pour gagner le volant. Quoi. Mmh. Donc, Laurent, oui. Oui, elle est sur Alliance, ils sont en stream. Donc. Ah, t'es en stream. Bah ouais, j'ai fait 42 minutes. Ouais, mais bon, je pense pas que tes viewers. Bah, y'a personne ici, de toute façon, il y a pas de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà un petit peu le principe, quoi. Je sais pas, de toute façon, je pense que je vais le faire dans les mêmes créneaux horaires que Cassio va le faire. Je vais le faire un samedi après-midi. Ouais. Voilà, parce que bon, 24 heures je peux pas, point de vue familial c'est pas possible, et puis en semaine et le dimanche non plus je peux pas, le dimanche soir voilà, il y a la douche des filles le soir, on se prépare pour lundi machin, donc je vais faire ça samedi, mais quand, qu'est-ce qu'il fait, j'en sais rien, je pense que je vais lancer le truc à partir de 250-260 follow. Ouais. Et à 300 follow, 12 heures, avec giveaway à gagner. Ouais, j'ai vu le petit truc de Willow là, son jeu. Ouais, c'est pas mal. Je vais partir un petit peu, je vais recomper un petit peu sur ce qu'il a fait, quoi. Il me l'a dit, je lui ai dit, il est au courant, il m'a dit t'inquiète, y a pas de problème, le truc, j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Mais là, ça va, ouais, on va passer un bon moment. Il y a les gars de la TFM qui viennent, il va y avoir Cassio aussi qui va sûrement venir. Cassio, Monsieur Café, tout ça. Ouais, ça va être le bordel. Ouais. Ça risque d'être le bordel. Mais un bordel positif. Oui. Hier soir, Cassio, elle a pas streamé, elle a passé sur le TS, tout ça, c'est sympa. Eh ben, on a tous un petit peu, on commence tous un petit peu à se faire des bonnes affinités ensemble. C'est ça que j'apprécie. C'est ça que t'appréciable. Ah oui. Ouais. Il y en a une paire hein, sur mon stream qui me demande, vous critiquez pas la TFM, vous avez l'air sympa et tout, j'aimerais bien rouler avec vous et tout. Ah, j'ai dit non, attends mon gars, pour rentrer à la TFM, t'as intérêt à te mettre de merde. Non. Tu as demandé ça ? Des viewers sur mon stream hier soir. Mais après, c'est bien d'entendre ça. C'est bien, c'est qu'on a quand même un retour positif sur l'entreprise. Ouais, voilà, ouais. Il y en a beaucoup qui nous commencent à nous connaître de nom. Les mecs, ils croisent des je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Tu roules sur le multi TS2, ah oh, un TFM, salut, comment ça va, machin. Tu sais, des trucs du genre, quoi. Bon, là,
on a un retour positif sur le global de l'entreprise. Ouais, j'arrive. Bon les gars, je vous laisse, c'est mon copain qui vient d'arriver. Ok, okay. Bon après-midi. Je repars plus tard. Ok, bon après-midi. À plus tard. Ouais. Ouais, je suis comment ? Tu manges comme si t'avais faim. J'aurais été foutre une pompe à essence de l'autre côté. ETS. Oh, l'originalité. Allez, c'est qui le bêta qui a été foutu cela sur la map? Un beau meuf là-bas, un beau meuf. Back. Vas-y, c'est bien, trop trop bien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais c'est pas possible. Ah ben là, je peux aller la mission, c'est fini. Attends, non, même pas. Tu sais que mon destrait, mon œil, il est pas mis.
Pam. Ouais, t'as raison. Elle serait monnaie, il est Pam famille. Ouais, c'est d'un long trajet. Je suis en roue libre jusqu'à pour pas ça, je suis obligé d'apprendre dans le sens contraire. Gars, j'ai plus rien. Ouh non, pas là. Ce que je vais savoir, ben, je l'ai là, elle est là. Oh non, oh non. J'ai freiné avant, quel con. Ah non, elle avance un peu. Tu vois quand je fais démarrer le moteur là? Viens, viens voir, viens voir. Tu es arrivé hein? Gars. Tu vois le truc de démarrage au moteur là, gars? Allez, tu vas y arriver. Vas-y, un petit effort. Vas-y, vas-y. Celle-là, je la vais la mettre hein. Vas-y, un petit effort. Allez. Ouais, je suis dedans. Si faut le faire là. Thank you.
peux. Thank you.
rappelle pour savoir pour le week-end que vous deviez passer ensemble. Regardez, vous voulez appeler avec ton Christophe pour rappeler tout. Réservé. La sieste. Et je lui dis quoi? Dormez.
Moi je sais ce qu'elle m'a dit. Ah oui non oui. J'ai dit le week-end, il a dû penser le week-end. Super chaud. Ah oh, non mais. Ah.
Qu'est-ce qui lui arrive à lui encore? Il arrive toujours des trucs, mais...
marché maintenant. Ah, bah bonne question. Ils étaient pas si pourris que ça au final. Vous aviez dû passer de la promo. House.
quelqu'un des nouvelles de Coyote par hasard? Et j'en ai eu ce matin, il m'a appelé, c'est tout. Pour le moment, pas grand chose. Ouais, ils ont pas avancé les choses. Non, parce qu'il y a comment Frankie qui revient dans une semaine, donc voilà. J'ai laissé la place à certains et là, bah, c'est des gros casseux. Ça. Ah, mais c'est dégueulasse, alors pourquoi ils l'ont pas mis comme ça, quoi? De 10 ans, alors. Sur ouais, mais j'ai vu la vidéo, tu vois, j'ai tout vu. Ouais. Mais après, voilà pourquoi ils l'ont banni comme ça une semaine, quoi. L'excuse, non, c'est carrément pas une semaine, c'est. C'est permanent sur ATS. Et normalement, c'était jusqu'à 10h30 sur ETS, et puis. Mais il n'arrive toujours pas à se connecter. À se connecter sur ETS ou. Non, non, ETS toujours pas. Putain, là, ils sont forts. Ah. Ils auront pu tout de suite le débloquer sur ETS, hein, franchement. Ouais. Et ils ont donné comme excuse sur son sur le ban que c'était à cause de son avatar. Waouh. De toute façon, les grosses têtes des admins, ouais. Ils l'ont déjà croisé Coyote avec son avatar, ils ont jamais rien dit, quoi. Oui. Qui a nommé un remplaçant dans les trucs et ils font n'importe quoi, c'est tout. Comme à chaque fois que Franky n'est pas là. Il faut pas que je le croise celui-là, tiens. Là. Ah, je le dégomme, hein. Même si c'est un admin, j'en ai rien à foutre. Non, mais Franky, quand il va rentrer, il va écouter la situation et puis. Pas arranger tout ça, mais le problème c'est que quand il est pas là, il peut rien faire. Ouais, c'est clair. Donc lui, il est pas pour grand chose. S'il fait confiance à des gens, il se prend un truc dans le cul. Après, voilà, il peut pas être H24 sur le truc. Il a certainement une vie privée aussi, comme nous. Donc voilà, ouais. Le truc c'est que à chaque fois qu'il confie quelque chose à quelqu'un, bah, les gens ils prennent la grosse tête et puis c'est parti. Quoi. Ouais, mais ils devront faire confiance à quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, déjà ouais. Tout du cul comme ça, quoi. Ouais. Ils ont encore du lait derrière les oreilles et... C'est n'importe quoi. C'est ça. Comme il dit, qu'ils doivent attendre pour ATS, ils s'en foutent. C'est pour ETS, c'est le casque. Voilà, ouais. Là, je vais aller les voir après les admins, là. Moi, je sais pas comment ils font faire, moi. Ouais, ils sont certainement sur le TeamSpeak privé, là, le TS3, là, je sais pas quoi. Je vais faire un tour là-bas dès que j'ai fini ma mission, là. Moi si j'y vais, je vais m'énerver, donc ça va servir à rien. Oh, moi je vais juste parler avec eux, calme, et s'ils commencent à aboyer, j'aboie. Ouais, j'irai avec toi. Je finis ma mission, hein. Ouais, pareil. Moi j'ai un bateau à prendre, j'ai encore 1289 km. Sur le bateau. Moi j'ai 450. Je suis à la Grande-Bretagne.
Hein, Aline, il y a encore un petit PV pour toi. J'ai piqué la, la carte bancaire à Aline. Pour elle paye les, tous les PV là. Les flashs. Moi, elle me paye que les dégâts. J'ai pas mal. Les PV, je les donne à Laurent. Bah depuis ce matin, je m'en suis pas bougé. J'ai couru avec Tony ce matin. Ouais, ouais. Les PV. Ah bah tu ne devais pas rouler doucement. Bah écoute, tu sais, sur les chantiers en grande métal là. Hein. Tu marques 40, 70, un truc comme ça. Je sais plus pourquoi 70. Mais de toute façon les limitations de vitesse elles sont pas justifiées. Elle est chaude en Angleterre. Ah, moi je pars. Moi je vais à Liverpool. Moi je pars. Et je joue à Canadien. Tavanger. Tavanger. Ouais. J'ai Esberg. 684. Ouais. Pourquoi ? On se porte du tracteur. Non, si je passais ma 12e, peut-être que je consommerais moins aussi. Moi, une belteuse. Ouais. Ah ouais. Un petit 24 là. Moi, je chauffe mon camion avant de porter du gros. Comme ça suffit, quoi. Le décrasse un peu. Bon, le World of Truck, ça me l'a bien encrassé, quoi. Oh oui. Ouais, ouais. Dès que je finis mon trajet, je vais envoyer un message à Coyote. Ouais, ça marche. Ouais, Coyote, il est pas, il est encore banni. Hein. Ah ouais, non, je vais. Ouais, mais c'est pour ça qu'on va, je vais aller voir après là. De tantôt, il a été voir sur TS2, voir s'il était débanné. Tu devais être débanné au matin. Ouais. Et il y était toujours pas à 13h. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. Et il commence à aboyer, je vais aboyer plus fort que lui. Bah ouais, c'est quand même chiant là, je sais pas. Bah ouais, enfin, surtout qu'il a pas été spécialement insultant au final. Hein. Bah non, il l'a simplement traité de bouffon. Ouais, voilà. Enfin ouais, après voilà, mais même, puis c'était justifié quoi. Bah ouais, c'était pour défendre la Belge. Je sais, j'ai vu la vidéo. Donc moi, je l'ai trouvé même plutôt calme, pour une fois. Bon, allez, un tour voir les admins. Ah,
Ah, t'inquiète, j'y vais aussi là, j'ai 600 km à faire là. Ouais, il me reste 350 km. Faut que je remplisse ma feuille de route et tout. Voilà, ouais, comme moi quoi. Donnera l'adresse et tout, machin, nickel. C'est TS3MP. Faut que je regarde après. Moi, je vais voir sur le forum. Ouais. Il le donne. Et au pire, je te l'envoie. Ouais, carrément.